2 ans que nous nous fréquentons. Mmh. Et maintenant, j'aurais souhaité que tu partes chez moi à la maison. Gazé. Voilà. Et puis, je tiens à te dire une chose. Oui. J'ai déjà deux petites filles à la maison. Mmh. Et Sylvie et Marceline. Mais tu m'as dit qu'elles étaient trois, non? Non, si, la plus grande, elle est déjà au collège. Celle-ci. Je veux parler de Léa, quoi. Ah! Tu as tout fait, je l'ai fait partir. Mmh, c'est ce que moi je voulais, mais. Ah bon, d'accord. Écoute, si oui. Tu viens à la maison, il faudrait que tu t'occupes de mes enfants. Mmh. Tu sais, il y a mon cousin, mon vieux, lui, chez lui à la maison, tu ne peux pas rentrer. Ah bon? Hein? Pourquoi? Sa femme maltraite ses enfants. Oh. Ah, moi, je ne peux pas voir ça. Tu rentres là, les enfants sont maigres comme ça, là. Oh. Et lui, il ne dit rien, il est là, comme ça, là. Vraiment? Moi, j'ai déjà une fille. Oh. Hein? Tu peux pas quand même aller maltraiter tes enfants. Ah, ouais. Moi, et puis j'adore les enfants. Mmh. Donc, je vais prendre tes enfants comme mes enfants. Mmh. Hein? Donc, si c'est pour ça, Gazé, on peut même se marier. Si tu veux, je vais aller prévenir mon grand frère. Tu vas m'amener à la maison. Fais-moi bisous. Hé, hey, je suis content. Mmh. Hé, Gazé. Ça, c'est la femme idéale. Zan. Toi, mais quand il y a des bonnes choses, mais on t'appelle, tu ne réponds jamais. Mais où il est parti? Il est parti chercher les petites filles là. Il arrive. Ton bois est arrivé. Gazé là. Bon, tu m'excuses. Hein. Non, non, ça fait. Ça va, Gazé. Tu prends la chaise, prends la chaise là. Mm-hmm. Tu es chez toi, tout ça là. Non, non, t'es pas tous les enfants sont dispersés, Joseph. Gabriel. Donc, pas me coincer ici. Tu ne coinces pas, hein, aussi. C'est pas ton mari là que tu vas me tenir comme ça. Maïto, il est trop gentil, hein. Ton vrai gentil. Oui, ça va. Quelle nouvelle? Maïto, comme ça fait longtemps, c'est pourquoi je suis venu chercher ta soeur. On va aller chez moi à la maison. Ah! Enfin, tu as pris la grande décision. Ouais. La vie du Dieu, qu'est-ce que je te disais? Ah, donc tu voulais qu'on parle de ta maison? Mais non, tu sais, dans ce genre de situation-là, faut pas laisser passer l'occasion. Tu sais, les gens comme lui, là, c'est rare. Ah, ouais. Les gens de maintenant, ils se décident très difficilement. Si lui, le veut. Mmh. Hein? Moi, j'aime ma femme. Ah, je sais, mon frère. Moi, j'ai le même mot. Bon, voilà. Ce que tu vas faire, hein? Comme il est venu comme ça, très gentiment, il va falloir que tu arranges tes choses et puis tu vas regagner ton foyer. Maman, j'avais déjà arrangé. Ah bon, Gazé Gaillon, attention quand même, hein. Je ne la chasse pas, hein. Oh, oui, parce que si jamais j'apprends que tu la maltraites, ah, sa place est toujours chez moi ici. Non, 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 non. Il n'y a pas ça, mon cher. Ah. Bon, Maïto, moi je mets à la maison. Voilà. Je suis au travail du moins. Ah. Au retour, je vais passer ici la prendre. Ah, tu viens la chercher le soir? Non, ouais. C'est même pas la peine, je vais te trouver là-bas. Moi, il y a longtemps que j'attendais ça. Je voulais que tu chasses la sorcière là. Bon, viens pas ce soir, hein. Bagno, t'as pas dit que les fauteuils allaient arriver bientôt? Oh, si, si, si. Très bientôt. D'ailleurs, j'y pense, à la fin de ce mois, tu verras. On aura un nouveau salon ici à la maison. En tout cas, dépêche-toi parce que vraiment, ça commence à être autre chose. Je me sens très fatigué ce matin. Tu sais, avec la veillée d'hier là. Mais il faut quand même qu'on aille au travail. J'étais bien de te reposer et de laisser cette histoire de veiller là. Ma chère, si je n'allais pas à la veillée là, demain ils allaient gâter mon nom là-bas. Il faut bien y aller. Bon, je vais m'en aller. Tiens, je vais te laisser ça pour le déjeuner des enfants puis... Les petits trucs que tu auras acheté. Non, mais quoi. Tu peux garder l'argent d'hier, là. Ça suffit, il y a un peu qui est resté. On va se débrouiller avec. Ah, c'est très bien. Je suis très content. Tu es très économe, tu sais. Ah, par les temps qui courent, hein. Si on veut s'amuser avec l'argent, mon Dieu. Non, voilà. Si toutes les femmes pouvaient comprendre comme toi, vraiment, ça irait mieux. Allez, fais-moi... attends. Mmh. Ah, tiens, j'oubliais. Quoi? Il y a Madeleine... La mère des enfants, de mes enfants. Elle veut quoi? Elle voulait bien venir chercher les enfants, passer une semaine avec elle pendant ses vacances. Ah non, 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 il n'en est pas question. Pourquoi? Tu m'as confié l'éducation de ses enfants, c'est moi qui m'en occupe. Pourquoi elle veut venir les chercher? Oui, 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 écoute, je sais que tu t'en occupes très bien, mais elle voudrait bien passer une semaine avec les enfants. Non, là je dis non. Parce que quand tu m'as épousé, tes enfants sont devenus mes enfants. À partir de ce moment-là, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Elle n'a pas à venir chercher les enfants. Elle peut venir les voir quand elle veut, mais ça s'arrête là. En tout cas, je me pose à leur départ. Bon, d'accord, d'accord, j'ai compris. Je sais que ce sont tes enfants. Tu veux les éduquer à ta manière, à notre manière.
Tu as raison. Je dirai à Madeleine de venir à la maison. Si cela ne te gêne pas, hein, non, non, elle va venir passer 2 jours avec les enfants et puis repartir. Je dis non. Elle peut venir voir ses enfants, passer la journée si elle veut. Mais si elle reste, où elle va dormir? Oui, oui, oui. Là, tu as raison. Tu as raison. Elle viendra voir les enfants, rester là toute la journée et puis partir le soir. Voilà, bon, ça marche. Tu as raison. Bon, écoute, il se fait tard. Moi, il faut que je me sauve. À tout à l'heure. Bonne journée. Merci. Hein. Gisèle, Paul, venez, je vais vous laver. Paul, toi, tu attends, hein, quand j'aurai fini avec ta soeur, puis je vais te laver. Sylvie, viens ici. Ça, la grande, là, où est ça? C'est dans la maison. Dans quelle maison? Je ouais, va chercher pour m'envoyer, va chercher. Télévi! Maman. Viens ici. Où est ça? Je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Oui. Où est ta soeur? Elle est dans la va dire à ta soeur d'aller ramasser tout ce qu'elle a, vous allez partir laver. Sinon, n'allez pas manger aujourd'hui, hein. Là, sa tête, on dirait son père. La femme est méchante. Hier, elle m'a insulté. Elle a insulté ma maman. Elle a insulté mon papa. Tout ça. Mais nous aussi, quand on dit à notre papa, il ne dit rien. Notre maman aussi, elle ne veut même pas nous voir. Non. Et Sylvie, la femme est arrivée. On n'est qu'à faire vite. On n'est qu'à faire vite, sinon elle va venir nous frapper. Non, il n'est pas encore fini de laver les assiettes là. Maman, on a fini. Tu es ta maman. Pour m'appeler maman. Tu connais ta mère. Ça là, vous avez bien lavé comme on ça. On a bien lavé maman. Tu peux m'appeler, quand tu peux m'appeler maman, tu n'entends pas. Appelle-moi maman encore, tu vas voir. Imbécile. On va chercher à nous laver maintenant. Oui, et puis on va manger. Vous allez, vous allez. Hein? On va se laver. Laver où? Allez-y, lavez les mes pailles là-bas. Allez. Regardez-moi ça. On va se laver. Dépêchez-vous. Il y a des problèmes. Lavez ça! Bon, mon bon ton moi, mon cocotier. Votre mère, c'est la plus récée. Eh? Et quoi qu'on achète Marie là au marché? Eh? Gazé Cagnon qui a trouvé femme. Donc, fiez-moi les paroles. Hé, vous là, vous allez laver les choses sans aller chercher de l'eau? Va chercher de l'eau! Dépêche-toi! C'est pas moi qui ai fait partie votre mère, hein? Vous avez entendu. Donc c'est pas à cause de ça que vous allez me bouder ici. Et toi tu fais quoi là? Maman, je vais aider. Tu dis quoi? Je n'entends pas. Maman, je vais aider mes soeurs. Tu es bonne maintenant. Tant que je suis là, tu vas pas travailler ici. Va te mettre là-bas. Maintenant, on n'a même pas déjeuné. Nous aussi, quand on dit à la femme, elle maltraite les gens. Quand on dit à notre papa, il ne dit rien. Hé, hey, vous là, vous dites quoi ici? Hein? Maman, on n'a rien dit. Maman, on n'a rien dit. Tu n'as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants, elles t'ont fait quoi? Mais si elles t'ont fait quoi? Elles t'ont fait quoi? Hein? Elles t'ont fait quoi? Mais c'est quoi même?
Toi, tu es qui, mais pas respirer dans cette maison. Hé, c'est quoi? Votre mère. Où est votre mère? Il faut que j'aille dire à madame Delta. Je sais pas, tu vas poser. Elles sont pas des bonnes, c'est quoi? Madame, c'est qui? Attention, hein. Je te trappe. Ça suffit. Calmez-vous. Allez, allons. Non, allons. Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est quelle femme ça? Oh non, ça, il faut que j'aille dire à Tanti Delta. Allons-y. Diane. Maman. Ouais, ma coucou. Venez manger. Assois-toi. Ma coucou passe là-bas. Va t'asseoir. Mangez. Quand vous allez finir, vous allez donner le reste aux sorcières là. Vous avez compris? Hein? C'est pas à cause de moi que leur mère est partie. Elle-même, ce qu'elle faisait ici là. Elle sait très bien ce qu'elle fait ici. Moi, je tiens encore. Tant que je suis ici, je n'allais pas être bonne de quelqu'un ici. Je serai toujours là. La chienne, heureusement qu'elle est partie. Ma coucou. Viens. Ne voulez pas manger. Hein? Tu as donné le reste à aux filles là, c'est ça? Si tu ne fais pas attention, elle te frappe, tu vas voir. Ma coucou, va manger. Ah, j'ai faim. Ça ne fait rien. Comment on va faire? Ma coucou, tu ne manges plus. Je vais aller donner à ma Céline. Je ne mange plus. Tu veux pas boire dans ça là, hein? Et puis c'est ta mauvaise là que tu viens boire, imbécile. Là sa tête là, hein? Vous croyez que vous êtes des enfants de galère, hein? Votre mec qui est parti vous ramasser quelque part là-bas pour envoyer. Mangez. Mangez, filet. On vient de mettre ta tête là-dedans. T'as vu, elle m'a mouillé. Comment il a fait pour aller à l'école? Ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'il y a? On dit quoi? Mais tu as entendu quoi? Tes enfants là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas? Mais ils n'ont rien dit, hein? Ils m'ont rien dit. Ah bon? Tu as la chance en tout cas. Ils ont intérêt à ne rien te dire. T'as rien passé là? Je veux que tu as mal compris, sinon ils n'ont rien dit, hein? Papa commence à trembler devant la femme là. Mais celle-là, elle est sauvage, hein? Tu vas m'attendre. Regarde, une imbécile comme ça. À quoi toi, j'ai renvoyé ma femme. Et chaque fois, tu m'enlèves mes enfants. On va voir ça. Gazé, tu dis quoi ici même? Tu dis quoi? Mais ça va, Léa. Elle dit quoi encore? C'est à cause de ça, j'ai laissé leur maman même. J'ai dit que je ne veux plus voir Léa ici. C'est des filles qui ne respectent pas les hommes. Attends, il faut la chasser. Hein. Moi, je ne veux plus la voir. Ah, demain, elle est partie. Demain, elle est partie. Elle n'a pas partie. Regarde-moi ça. Ah. On est foutus. Ouais. Vraiment. Mais celle-là, quand ma soeur va venir, tu verras. Delta sera là-haut. Regarde-moi ça. Mon Dieu. Tu dis quoi ici même? Mais les enfants, ma mère, Delta. J'ai entendu le nom de Delta. Ma mère, les enfants. Delta, quoi? Léa, ma mère, elle va partir d'ici. Léa, tu es parti, hein? Tu es parti, c'est fini ça. Tu n'es plus ma fille. C'est fini. On a plus que. C'est fini ça. Vraiment. Bon, je vais te dire.
Voilà, faut juste. Compte là-bas, compte là-bas. Allez, si je mets ici, tu as vu. Bonjour. Ah, bonjour. Désolé. Ah, tu. Hein? Bonjour, monsieur. Ah, oui. Hein? Donne la chaise à ta tante. Viens, viens ici. Viens, viens ici. Tu l'appelles pourquoi? Je suis venu pour la voir. Hein. Je suis venu te voir. Un peu d'eau, là. D'accord. Pour ta belle soeur. Hein? Je ne suis pas venu pour la voir, je suis venu pour te voir, pour te parler. Mais il faut boire un peu d'abord. Boire pourquoi faire? Il n'y a pas là alors. Il n'y a pas là, je suis venu te parler. C'est qui ta femme fait ici là? Elle maltraite tes enfants et quand Léa te parle, tu ne veux même pas écouter. Comment tu peux changer comme ça? Mais tu es arrivé pour boire un peu d'eau d'abord. Je ne bois pas ton eau, princesse. Reine, je ne bois pas ton eau. Quand tu vas cesser de maltraiter mes nièces, je vais boire ton eau. Tu prends l'eau là quand même, prends l'eau là. Hein? Prends, tu vas boire quand même. Tu es venu pour nous faire parler. Je suis venu te parler, vous faire parler. On est deux. Et notre père, c'est pas laissé faire commander par notre mère. Et toi, tu te laisses commander par ta femme. Et quand tu es pas, tu es mon conseil. Il paraît que deux fois, tu te mets en genou devant elle. Moi? Oui, tu te mets en genou. Tu te mets en genou. Tu as peur d'elle. Et tu es là et tu maltraites tes enfants. Est-ce que c'est normal ça? Les gens, ça montre te mentir là-bas. Moi, me mettre à genoux devant ma femme. Voilà, tu n'as jamais mis un genou devant voilà elle. Elle. Quand tu prenais cette femme-là, je t'ai dit, il ne faut pas laisser partir ta première femme. Tu ne m'as pas écouté. Et voilà. Mais comment elle a promis de changer? Tente-toi! Tu dis quoi? Hein? Depuis quand toi, tu peux parler devant moi? Sandy, tu as vu. Mais devant toi. Quoi, madame. Mais viens toi faire quelque chose, tu vas la laisser comme ça veut dire quoi ça? Tu penses qu'il va bouger, Danti? Il va pas bouger, hein? Et il tremble déjà. Ça le ferait, je laisse à Dieu. Ah non, là, je te permets pas, hein? Il faut qu'elle sorte d'ici. Non, repasse d'ici, je vais plus la voir, hein? Faut lui dire que je vais plus la voir. Il faut dire que je vais plus la voir. Faut lui dire que tu veux plus la voir. Il peut même pas aller, Danti. Elle dit qu'elle veut plus te voir, hein? Oui. Et ton oncle Gaz et Cagnon? Ah, Gaz. Il va bien? Il va un peu bien, mais... Je vais le voir, là. Ah, vous allez le voir. Ouais. Ah, donc vous n'êtes pas au courant? Au courant quoi? De quoi? Ah, comme d'habitude, sa femme maltraite les enfants, là. Alors, ce matin, là, il a eu des histoires avec sa sœur, là. Delta. Oh, mais je t'assure, ouais. C'est tout de suite que mes habits ont séché. Elle continue encore à maltraiter ses enfants? Elle aussi. Comment? Depuis qu'elle s'est mariée, et j'ai eu à donner des conseils à Gazé Cagnon, et lui, quelle est sa réaction? Il est là, doko, comme ça. Oh, c'est pas possible. C'est pas à moi que ça va arriver, hein? Comment? Non. À partir du moment où vous avez choisi un mari, vous avez aussi choisi tout ce qui est de lui, c'est-à-dire ses enfants, les enfants que vous avez trouvés là. C'est clair. Je comprends pas comment vous aimez, vous, là. Hein? On n'aime pas un homme à boîtier. On le prend tel qu'il est. Et puis on prend tout ce qui est... Oh, mais non, voilà, c'est pas possible. Mais c'est comme ça. Quoi? Sylvie et Marceline. Maman. Venez, j'allais vous laver. Allez, ça. Venez. Toi, depuis là, tu t'es pas encore dressé. Allô? Bien. Laisse aux cheveux de ta soeur là. Quand j'ai fini, je vais la tresser. Mes soeurs, j'ai compris. J'ai changé. J'aime mon mari et j'aime ses enfants.